marche. Là, on voit bien avec ma main que je ne tourne pas moi le courant.
plus difficile c'est le départ, comme pour toute goupille. Donc on donne un coup comme ça tout simplement. Hop, et c'est parti. Tu vois bien la godille là. Si tu peux te mettre debout aussi pour me filmer la godille dans la continuation. Voilà. Une fois que le départ est donné, il n'y a plus qu'à maintenir le mouvement. Le mouvement de la godille autour. Pour partir, un coup sec pour qu'elle prenne incidence, et c'est parti. Chaque aller-retour, un coup sec, et en fait la manivelle fait le reste du travail. Tu peux prendre la main, on voit que c'est pas elle qui tourne. Alors évidemment, la godille n'est pas un sport de vitesse. Hein. Le but c'est de faire avancer le bateau, et ensuite de le maintenir sans trop d'effort. Maintenant une demi-heure que je godille sans arrêt, je commence un petit peu à être fatigué. Il faut dire que je ne suis pas sportif. Je me repose, je change de bras en tête et je m'assois tranquillement pour continuer. Peut-être filmer dans le prolongement.
Alors, la godille auto. Démarrage de la godille auto. La pale est à plat. La godille repose tout simplement dans l'eau. Et la godille auto est en but sur la dame de neige. Pour commencer le mouvement, il faut donner un coup sec dans un sens ou dans l'autre, de manière à ce que la pale dans l'eau prenne la bonne incidence. Donc un coup sec, et on a amorcé le mouvement, et on est parti. Orienter le bateau, on retient un petit peu l'orientation de la pale suivant la direction où on veut aller. Ou alors on peut évidemment ramener la pale pour le bateau. Ce qu'on peut faire, c'est aider le mouvement. Une dérive. À ce moment-là, le mouvement de godille est beaucoup plus puissant. Bien sûr, n'importe quel voilier, en fait, il va être beaucoup plus puissant. Le bateau est parti, il suffit juste d'alimenter en fait le mouvement sans trop forcer. Toujours c'est au démarrage, hein, la godille c'est quelques coups pour faire prendre l'air au bateau. Une fois que le bateau a son air, il suffit d'entretenir le mouvement s'il n'y a pas besoin évidemment. Et là en fait on voit que sans trop forcer, je continue à avancer avec une même vitesse acceptable. Pour le départ de la godille auto, un petit coup sec dans un sens ou dans l'autre, de manière à amorcer l'incidence de la pale. On voit que la pale est à plat là. Hein. Donc en fait un petit coup sec et avec le frein de l'eau, la pale s'oriente. Vous voyez ? Donc ce mouvement d'une amplitude correcte, on force un petit peu plus pour les premières brassées, et ensuite on n'aura plus qu'à maintenir le mouvement. Donc on part comme ça. Voilà. Là le bateau commence à prendre un petit peu d'air. L'air, c'est-à-dire de vitesse. Là il y a une petite brise quand même, hein, qui nous prend sur l'avant d'abord quand même. Et malgré ça, on commence à avancer de manière relativement correcte.
Voilà. Bon pied, mon œil.